Le renforcement des capacités du personnel d'une institution est une valeur ajoutée pour rendre plus performantes les prestations. C'est la raison qui a conduit les responsables de la Fondation Maarif de Turquie au Tchad à organiser cette séance de renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif de son institution scolaire. Plusieurs modules sont au programme de ces assises. Le programme de l'atelier se focalisera sur l'enseignement à distance auquel tout le monde a fait recours pendant la pandémie de coronavirus. Désormais, nos enseignants seront outillés, ces genres d'enseignement, et nous familiariser de la maîtrise de la colère et les sujets, et débattre les sujets divers, comme bilinguisme au Tchad. Pour le secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique, Mustapha Mahamat Talko, cette formation entre dans la droite ligne de la politique du gouvernement en matière d'éducation. Elle concrétise également le lien des bonnes relations entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue, Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. C'est à la faveur de cette visite guidée dans les différentes salles de formation que la cérémonie officielle de lancement de cette formation a pris fin.